Viens avec moi à la conquête des quartiers du canal. On va prendre notre café tôt, on va partir à la découverte de l'art que Montréal a à offrir et on va terminer notre journée au marché. Salut, je m'appelle Flore et je suis tellement excitée de te montrer comment t'approprier ta ville avec le Chevrolet Trax. Je suis journaliste culturelle et créatrice de contenu. Et si la culture me passionne, le café aussi. Allez, je te montre ça. Je passe beaucoup de temps dans les quartiers du canal. C'est des quartiers où il y a toujours des choses à explorer. Griffintown, c'est plus tendance. La petite Bourgogne, c'est plus familial. Saint-Henri, ben, c'est un quartier rempli de cachets historiques, plein de perles, de secrets bien gardés. Et c'est deux quartiers où c'est facile de se stationner. Il y a des semaines, on dirait quasiment que je vis dans le café. Dans ma journée, là, je peux faire des entrevues, je cours des événements, je peux aller sur une séance photo. Alors, ça fait du bien de m'installer pour me poser, travailler, répondre à quelques courriels. Et un café beau comme ça, là, c'est motivant. Même dans mes jours de congé, j'aime aller voir des œuvres d'art. Aujourd'hui, on s'en va au Arsenal Art Contemporain, voir les expos qu'ils ont à nous proposer, puis ça, ça m'inspire. Quand je suis en congé, si j'ai plusieurs choix d'itinéraire, je vais avoir tendance à prendre le chemin plus long. Quelqu'un aura à bord, mais c'est quand même le fun d'apprendre à connaître ma vue. Là, je vous amène au marché Atwater, c'est un des halls en bois, où il y a du stuff seulement gratuit. Quand je prends le temps de choisir des ingrédients frais et locaux, ça me donne envie de cuisiner. Peu importe ce que j'essaie d'acheter, c'est clair que ça entre dans le coffre de mon Trax. Mon quotidien est mouvementé, mais c'est important pour moi de trouver l'équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. C'est comme ça que je m'approprie ma ville avec le Chevrolet Trax.